Merci. Juste un petit mot. Ah, Yuka. Tu vois, nous, on a. On t'a donné à mon nom. On peut très bien, non? Nous sommes. C'est vous qui Non, à vous. Ne fuis pas. Ne recule pas. La main à pied. Ne recule pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de bruit. La voix. Ne le fuis pas. Mais regarde, quel ami, non? On te dit quel ami? Celui qui n'a pas, qui n'est jamais allé en Russie, celui qui va réussir à t'avoir. Mais regarde, gouillé, tout, non? On te dit quel ami? Celui qui n'a jamais envoyé la graine, vous parlez, c'est celui-là qui a. Mais regarde, on t'a, c'est un colonie, non? On te dit quel ami? Celui qui n'a jamais eu mal. Un des colons, pas mal, tout pour me ramasser. Celui qui n'a jamais touché au palmier, c'est celui qui a réussi à t'avoir. C'est pour ça qu'il a déployé le rameau devant toi. C'est le signe, le sens du dépôt de ce rameau devant toi. Je te dis, c'est celui qui n'a jamais touché un palmier qui va réussir à t'avoir. Merci. 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 Voilà. Merci. À la suite des tambours parlants, nous voudrions souhaiter la bienvenue à la délégation ici à Fresco. Camarade secrétaire général François Adou, camarade vice-président du parti du président Laurent Gbagbo, camarade vice-président du comité de contrôle, camarade secrétaire général adjoint, camarade secrétaire nationaux des régions et techniques, chers élus, nos honorables, camarades invités,
des partis politiques alliés. Je vois le camarade secrétaire général de l'Union des Nouvelles Générations de Stéphane Kipré, le camarade Aïba Denis et sa délégation, camarade du COGEP ici présent, mesdames et messieurs, chers parents, digne peuple Gaudier, nous voudrions vous saluer et vous dire merci de permettre la tenue de ce stade ce jour. Aujourd'hui est un grand jour pour Presco. Il faut saluer ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui est un jour de joie, est un jour de grêlo, est un jour de danse. Tout à l'heure, nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui est un jour de joie. Mais nous voudrions commencer par un rappel. Parce que on ne peut pas commencer cette cérémonie sans parler de l'homme. On rappelle en 1982, la classe politique ivoirienne et la classe politique occidentale, évidemment, vont constater l'engagement politique d'un homme, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, un homme qui, de par son amour et ses idées nouvelles, empreinte de révolution, a réussi à se faire aimer et adopter par le peuple ivoirien. Ce Laurent Gbagbo-là, en 1990, il donne à la Côte d'Ivoire le multipartisme. Évidemment, il va remporter plusieurs victoires politiques, parmi lesquelles nous pouvons fièrement citer son élection à la magistrature suprême en octobre 2000. Et ce Laurent Gbagbo-là avait commencé à travailler, les Ivoiriens avaient commencé à sourire. Malheureusement, une horde de forces rétrogrades ont attaqué ce régime en 2002. Mais le peuple de Laurent Gbagbo a résisté. Le peuple de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, au-devant, ont résisté jusqu'en 2010 à la faveur de ce traquenard électoral, oui, nous pouvons l'ainsi le qualifier, à la faveur de ce traquenard électoral, les forces impérialistes, il marque son respect à son fils, oui. Merci. Et donc, à la faveur des élections présidentielles de 2010, les forces impérialistes vont porter l'estocade. La Côte d'Ivoire a saigné et le sang des Ivoiriens a coulé. Ce sang, hélas, a coulé abondamment. Le palais présidentiel, oh, ce symbole combien bien grand, a été pommadé. Et Laurent Gbagbo a été arrêté. À la suite de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, des milliers d'Ivoiriens se sont retrouvés en exil. Nos camarades se sont retrouvés en exil. Et parmi eux, il y avait les ministres Hubert Houlaï, Olé Katina, Assou Adou, Odin Soye, plein d'autres, et bien entendu, votre fils Damana Adia Picas. Ils ont pensé que c'était le moment idéal de vider notre parti de sa substance. Mais là encore, c'était mal connaître la détermination des militants de notre parti. Grâce à notre mobilisation, grâce à notre détermination, Laurent Gbagbo
est revenu blanchi, réhabilité dans son honneur. Et la libération de l'homme Babo a les effets. Évidemment, ceux qui étaient en exil devaient rentrer. Le président Laurent Gbagbo devait rentrer le 17 juin 2021 a demandé à tous ses camarades qui étaient en exil de venir préparer son retour. Ainsi donc, votre fils, Damara Diapikas, et le ministre Katina ont regagné la terre de leurs ancêtres le 30 avril 2021. Chers parents, ils sont venus, ils ont préparé le retour du président Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Damara Pikas est venu pour vous saluer, vous, ses parents. C'est pourquoi nous disons que ce jour est un grand jour. Je voudrais que nous puissions nous en réjouir. Mais votre fils n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul, évidemment. Il s'est fait accompagner de plusieurs camarades, de hautes personnalités du parti. Et la délégation du jour se présente comme suite. Elle est conduite par le camarade secrétaire général, Dr Assoua Adou, parrain de cette festivité. Il faut le saluer. Il faut saluer le secrétaire général. Nous voyons également dans la délégation celle-là même qui assure son intérim quand il n'est pas là. Elle est secrétaire générale par intérim, mais elle est surtout vice-présidente du Front populaire ivoirien, vice-présidente du parti de Gbagbo. Merci. Je voudrais, avant de dire son nom, vous informer qu'aujourd'hui est un jour important pour elle. Parce qu'elle est née un 4 septembre. Aujourd'hui est son jour d'anniversaire. Mais elle a accepté d'accompagner son fils dans la tête. Il faut lui ovationner fortement. Lui réserver un Sandy Gershon. On va chanter pour elle. Joyeux anniversaire, je dois entonner. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon reine. Joyeux anniversaire. Merci. Merci, Hélène Vu à notre maman. Oui, à sa suite, nous allons présenter celui-là même qui porte la parole du président Laurent Gbagbo. Il porte la parole du président, mais moi, comme je suis un roi, c'est mon bon petit. Il peut saluer le vice-président. Tenez, Katina, vous pouvez passionner. Merci d'être là. Merci, cher jeune Katina. Merci d'être là. Merci. Je me retourne et je vois notre ministre d'État, un grand homme, un homme de la région. Et tout à l'heure, quand nous donnerons le fil conducteur de la cérémonie, vous comprendrez qui prendra la parole. Il faut saluer le ministre Luda Kwasi Meizo. Il faut le passer le pantalon. Il est là. Le bananier. Oui, le bananier. C'est ça, le bananier. Après le bananier, je vais présenter ma maman, les Ivoiriens. L'ont affectueusement surnommé Maman Nathérin, la mobilisatrice exceptionnelle, la dame qui fait peur, la redoutable. Elle est présidente des femmes de notre parti, mais elle est surtout
vice-président chargé de la mobilisation. Il peut saluer Marie-Odette Lerouillon. Merci d'être là, mon nom. Et voilà, mon nom. Merci. Après elle, nous ressentons dans la mouvance de nos mamans. Et nous saluons aussi une autre maman discrète, mais très efficace. Elle a été députée de la commune de Pabwe. Il faut saluer la présence de la vice-présidente Bamba Massali. Elle est là, il faut l'ovationner. Merci maman d'être là. Merci de ce petit. Nous allons saluer également, pour ne pas me tromper, le vice-président. Comme mon petit frère qui est là, va pleurer après commence. Il ne va pas le dire. Nous allons saluer le camarade vice-président du comité de contrôle. Il faut le passionner. Merci. Merci d'être là. Papa, toutes mes excuses. Je n'ai pas su qu'il n'a pas dit ton nom, papa. Merci d'être là. À sa suite, nous présentons le HK, le fils de l'homme. Ok. Saluons la présence du vice-président du comité de contrôle, mon père Nyapa Gole. Il va passer. Merci papa, merci d'être là. Maintenant, nous passons à la présentation du fils de l'homme. C'est le grand de notre parti. Non, le ministre Bonin n'est pas là. C'est le blanc de notre parti. Vous avez constaté, même les basketteurs ont l'air blanc. Les basketteurs ont l'air blanc. Il faut saluer la présence du HK Michel Bago, député de la commune de l'Étouan. Voilà, il faut le saluer. Merci. Nous allons saluer la présence de notre HK. Lui, c'est un bâtiment. Soyez en rassurés, le bâtiment est solide. Le bâtiment est doté d'une fondation solide. C'est un bloc. Il est premier responsable de la jeunesse du parti du président Laurent Gbagbo, mais il est également secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation au sein de nos partis. Il faut saluer la présence des bâtiments d'Aï de Nestor. Il est là. Le bâtiment. Merci d'être présent. Côté de ton aîné, Gamara Diapitas. Nous saluons tous ces camarades secrétaires nationaux. Vous êtes tellement nombreux que nous n'allons pas vous citer tous. Nous vous voyons, nous vous saluons, peuple de Dieu, saluez les secrétaires nationaux de nos partis. Il faut les ovationner, ils sont là. Il faut les saluer. Nous saluons maintenant des élus de la nation. Nous commençons, nous allons déjà saluer le fils de l'homme, notre blanc. Mais après lui, juste à côté de lui, il y a un élu de la commune de Fakobli. Il faut saluer l'honorable Seyi Gaspard. Voilà. Merci, honorable. Merci aux représentants du peuple que tu es. Nous continuons avec la présentation des honorables. Et juste après Fakobli, nous arrivons à Kouibri. Il faut saluer la présence du député Youté Innocent. Ovation de repli. Merci. Merci, honorable. Lui,
c'est notre fierté. Et ça, c'est le bâtiment d'Aïnesson qui l'a dit à l'une des réunions du bureau national de la jeunesse du parti de Gabon-Laurent. Il dit, lui, c'est notre fierté parce qu'il a issu de notre... C'est un jeune élu de Iré. Il veut saluer l'honorable Dago Ogus. Dago Ogus. Dago Ogus est là. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Nous allons saluer maintenant des maîtres. Des maîtres. Ah, cache-le. Il faut saluer, chers parents, la présence des députés de Zidiso. Zidiso. Voluda, il faut saluer. Voluda, c'est fini. Merci, honorable. Merci. Merci. Merci d'être là. Maître. Maître. Oui, je ne me trompe pas, maître. Maître Zahir Paul, il peut le saluer. Oui, il peut le saluer. Invité du vice-président de la Diapitance. Merci. On salue la présence du secrétaire général de l'UNG, Aïpa Denis. Merci d'être là. Nous saluons surtout la présence de tous les fédérés du parti du président Laurent Gbagbo. Camarades fédéraux, merci d'être là. Merci. Nous sommes une quarantaine de fédéraux. Merci. Tout à l'heure, les gens regardent aussi vos noms. Merci. Maintenant, nous allons vous présenter le déroulé de la cérémonie. Tout à l'heure, nous aurons l'intervention du président du comité d'organisation, le ministre Sama. Après lui, nous aurons l'intervention du fédéral du parti de Gbagbo à Fresco. Après lui, nous aurons l'intervention d'un ex-exilé. Il va parler au nom de ses frères et sœurs avec qui il était au Ghana. Il s'agit du ministre Kone Katina. Après le ministre Kone Katina, un fils de la région va prendre la parole. Il s'agira du ministre Lida Kwasi Moïse. Après le ministre Lida Kwasi Moïse, le vice-président Damana Adia Picas prendra la parole. Et le camarade secrétaire général, parrain de cette festivité, le docteur Assouadou et représentant le président Laurent Gbagbo prendra la parole en dernière position. Avant de laisser le micro, je voudrais vous demander humblement de saluer une personne. J'ai voulu la saluer en dernière position parce que si le vice-président Damana Adia Picas est là et il tient, c'est parce que cette personne joue un grand rôle auprès de lui. C'est grâce à partir à cette personne que le vice-président Damana Adia Picas tient et il est debout. Je voudrais, chers parents, que nous nous levions pour saluer votre belle-fille. Il faut saluer Madame Bagouri Rosine, épouse Damana Picas. Il faut la saluer. Elle est là. Elle est là. Nous, il faut la saluer. Merci, maman. Merci pour tout. Merci. Merci. Et effectivement, c'est pas là que je termine. Elle, vous la voyez, elle ressemble à une blanche. Elle a l'air d'être une blanche. Mais c'est elle qui a façonné, fabriqué Damana Adia Picas. Chers parents, disons merci et saluons la mère biologique de Damana Adia Picas. Mémé, reste à ta place. Essaye légèrement pour la voix. Voilà, essaye pour la délégation la voix.
ceux qui ont mis de tout ce monde. Oh là là. Oh là là. Maman Mario Gabriel est content de te voir. Merci beaucoup. Merci. Comment est-ce qui? Tu as le micro pour annoncer le président. Voilà, merci. Merci, on va aller vite. Voilà. Voilà, nous invitons Pipite, le président du comité d'organisation de cette cérémonie. Voilà le ministre Samari César. Il faut le saluer très fort. Il faut l'acclamer jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez, le chapeau, rappelez-vous, voilà. C'est un chapeau de main. On devrait demander rapidement. Bon. Monsieur le ministre, Assoua-Bou, président de cette cérémonie, parrain de cette cérémonie, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les sénateurs nationaux, pour ne pas frustrer quelqu'un en termes de protocole, je voudrais dire tous en vos grades et qualités, Fresco vous dit aïe aïe yoka, aïe 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 bro, aïe aïe aïe, tout ça bien. Le maître de cérémonie a déjà fait ce que le PCO devait faire. Donc on va aller vite, on va aller très vite. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas le jour de notre jour. C'est le jour de Damana Adia Picasse. Monsieur le ministre, Fresco, et comme on le dit dans le monde sportif, pour paraphraser un peu ce qui se passe à Paris, je vais dire ici c'est Fresco. Ici, c'est Fresco. Et vous avez certainement dû entendre beaucoup de choses sur Fresco. Mais soyez rassurés, ce ne sont que des illusions. Fresco reste Fresco. Fresco, c'est une petite île. C'est une citadelle imprenable. C'est une ville, c'est une région où les parents ne nous ont pas laissé la trahison et la traîtrise en héritage. Fresco, Fresco et toute la région Gaudier a été nourrie au lait de la dignité. De la dignité. Et notre fils, notre frère Picasse, ne pouvait être qu'un homme digne. Et même très digne. Il ne pouvait en être autrement. Et parce que adossé à quelqu'un de très digne, dont la dignité se conjugue avec son nom. Le nom de Laurent Gbagbo rime avec dignité. Voici ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Ceux qui lisent les paroles bibliques, le prophète Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je veillais. Durant ces 10 ans, monsieur le ministre, dites au président Laurent Gbagbo que Fresco est resté à son poste. Et Fresco a veillé. Fresco a veillé et Fresco a attendu. Parce que le même Habakkuk dit, même si la prophétie tarde à s'accomplir, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Et elle s'est accomplie. Et elle s'est accomplie avec l'arrivée de notre fils, Damana Adia Picasse, que vous conduisez aujourd'hui ici au nom du président Laurent Gbagbo.
En vous voyant, nous voyons le président Laurent Gbagbo. Et nous voulons vous demander de lui dire merci. Merci pour avoir protégé Damara Diapikas. De l'avoir secouru pendant tout le temps qu'il a passé en exil. Et de nous le ramener vivant, en bonne santé et en bonne forme pour continuer le combat. Marceline, ma grande sœur, Oyeyi, Oyeyi, Akabriba, Amoukwapa, Malagoko Yoku, et mes prix qui le pardon. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, il est là. Il va reprendre sa place. Il va continuer le combat. Mais, monsieur le ministre, on a beau dire, oui, Fresco, oui, c'est des élus de tel coin, de tel coin. Je dis, ce sont des illusions et ce sont des mirages. Dites au président Laurent Gbagbo que le Fresco qu'il connaît, le Fresco avec lequel il a marché avec un des fils de Fresco, Pascal Gbagbo Kokora, ce Fresco-là n'a pas changé et ce Fresco n'a pas vocation à changer. Le Fresco restera Fresco pour qu'ensemble, autour de lui et avec lui, une Côte d'Ivoire nouvelle se bâtisse. Une Côte d'Ivoire de dignité, une Côte d'Ivoire de souveraineté. Merci, monsieur le ministre, et tous ceux qui vous accompagnent pour votre déplacement jusqu'à Fresco pour nous remettre notre enfant, notre fils. Mais le temps viendra où vous connaîtrez que Fresco n'a pas bougé. Je voudrais vous remercier et dire au président Laurent Gbagbo, quand il dort, il faut qu'il dorme tranquille, parce que Fresco est avec lui. Parce qu'au point où nous sommes parvenus, c'est d'un même pas que nous allons marcher avec lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci au PCE. Alors, je rappelle, pour ceux qui savent, mais qui ne savent pas, c'est une information. Le bilan du comité d'organisation, il était le protocolaire de l'ancien comité national de salut public. Là, il faut qu'on le sache. Voilà, merci. Il faut le mettre fort. Il faut le saluer, le temps qu'il finisse. Et saluer la délégation. Voilà. On va demander rapidement, après le passage du président du comité d'organisation, voilà, qui finit de saluer maman Picasso. Je veux inviter ici au pupitre, mais très rapidement, le préfet, le fédéral de Fresco, le camarade Henri. Deux minutes, le fédéral qui a invité au micro. Ma belle, voilà le fédéral qui a le micro. Alors, je vais poser une question à la population de Fresco. Est-ce que la population de Fresco est présente? Répondez. Est-ce que toutes les sections sont là? Est-ce que toutes les sections du parti de Laurent Gbagbo sont là? Le capitaine Damara Adiapikas est venu. Il est là, il n'était pas là. Aujourd'hui, comme ça, aujourd'hui, il est là. Lui-même est présent. Je demande, est-ce que tous les joueurs de l'équipe de Damara Adiapikas sont là? Donc, merci beaucoup. Sans tarder. Ah là, d'accord. Voilà l'équipe. Voilà l'équipe. Le même Benoît, CC, Marie Dagré-Hélène, comité central. Le Degré, comité central.
Les membres de la fédération là. Donc, sans tarder, comme le temps est déjà avancé, je vais passer le micro au porte-parole de la fédération pour lire le message. Je vous remercie. Laisse-les parler, tu prends le temps. Ah. Laisse-les parler. Secrétaire général Assou Adou, représentant le président du parti, camarade vice-président Lida Kwasi, Kone Katina, Odette Soye, Bamba Masseni, Marie-Odette Lerino. Camarade FG Daï Nestor Michel Babo, honorables députés, mesdames, messieurs, chers camarades, permettez-moi à l'entame de mon allocution de saluer les membres de la délégation qui accompagnent notre frère et camarade Tamara Diapakas. Ceux qui se sont couchés pour des idéaux ne sont pas morts. Non, ils vivent à travers notre détermination à poursuivre le combat pour l'avènement d'un monde plus juste. Je salue nos martyrs, connus et anonymes, dont le souvenir nous rappelle notre devoir de rester debout. Camarade Assou Adou, Ayoka. Camarade Lida Kwasi, Ayoka. Camarade Amara Pika, Ayoka, camarade Ayoka. Je ne vous salue pas seulement parce que vous êtes dans les hautes instances de votre parti. Ce n'est pas le poste qu'un homme politique occupe qui fait sa valeur. Ce qui fait sa valeur et lui donne sa légitimité, ce sont les vertus primaires. En effet, l'être révèle plus les hommes que la foi. Prendre. Cette terrible crise qui nous a privés de nos amours, de nos parents et de nos camarades, tués, portés disparus ou exilés, nous a donné l'occasion de comprendre cette vérité que je tente de révéler. C'est dans l'épreuve du feu que l'or se purifie. C'est dans l'épreuve d'une crise comme celle que nous avons vécue que ceux qui militent sincèrement pour un idéal s'affirment et se distinguent. Je vous salue parce que vous êtes des combattants de la liberté. Je vous salue parce que vous êtes des paragons de la dignité africaine. Honneur à vous, camarades. Si nous ne baissons pas la tête de honte, c'est parce qu'au-dessus de nous et devant nous se tiennent en position verticale des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes d'honneur. Camarades, mesdames et messieurs, je voudrais, en paraphrasant des versets tirés de la Bible, dire ce qui suit. Pendant cette bourrasque qui a soufflé sur notre pays, nous avons été ébranlés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Nous avons connu la détresse, mais nous avons refusé de tomber dans le désespoir. Nous avons été persécutés, mais nous n'avons pas abandonné la lutte. Nous avons été battus et souvent abattus, mais nous n'avons pas quitté du regard l'horizon vers lequel nous conduit notre chef historique, Laurent Gbagbo. Nous portons au fond de nos cœurs cette conviction que le chemin que nous arpentons, malgré les épines et les embûches, est le bon chemin. Camarades, notre région a vécu des instants de brèche, de déchirure, de doute, de chantage. Mais je ne serai à l'occasion de cette journée m'étendre sur ces années tristes qui ont été les nôtres. Tel n'est pas le but de mon discours. J'ai choisi de ne mentionner que la foi de nos militants des villages et des femmes. Ces hommes et femmes instruits en alphabet, qui souvent, contre toute logique, n'ont jamais douté qu'un jour, un beau jour,
La nuit se dissipera pour faire place au soleil glorieux de la résurrection. Mesdames, messieurs, chers camarades, à cette étape de mon intervention, je voudrais faire une adresse spéciale à notre frère, notre camarade Damana Picasse. Camarade Damana Picasse, cher frère, la joie qui anime la Fédération de Fresco avec ses 37 sections, au moment où nous t'accueillons, ne peut être exprimé en de simples mots. Car les mots, surtout exprimés dans une langue d'emprunt, sont impuissants à traduire de façon convaincante les soupirs de nos frères. La fierté qui vibre en nous est incommensurable. Les mots envahissent mes lèvres en flots, sans ordre, suspendus par la vie de l'ancien cannabis. Voilà 10 ans que tu es parti. Celui qui part en voyage revient toujours. Et l'espoir de son retour chez les siens ne fait l'ombre d'aucun doute. Dans ton cas, ce n'est pas un voyage que tu as allé, ni une simple randonnée dans un pays étranger pour le visiter et jouir de la splendeur de cette cité touristique. Non. Tu as quitté le pays, notre pays sous l'effet de la contrainte. Tu as été contraint à quitter la terre qui garde dans ses entrailles ton cordon ombilical parce que tu t'es dressé contre l'ordre électoral qui s'est dessiné à tes yeux. Parce que tu t'es opposé à l'imposture et au mensonge. Oui, voilà 10 ans que tu as quitté les tiens, tes parents, ton épouse, tes enfants. 10 ans que pressé par l'ouragan de la violence, tu as quitté tes amis, tes camarades de parti, tes proches. 10 ans, ce n'est pas 10 mois, encore moins 10 jours. Partir, c'est mourir un peu, tu le pouvais. Cyrus le dit, l'exil est un mort sans combat. Oui, chers frères et camarades, pour nous, tu es ressuscité, un miraculé, tu es tel le phénix qui renaît de ses cendres. Comment ne pas être fier de toi? Comment ne pas t'ovationner? Comme les premiers chrétiens après la crucifixion de Jésus, durant les premiers jours de ces années folles, nous avons vécu dans la peur et la terreur. Cependant, les cœurs, eux, battaient toujours en espérant l'impossible. Certes, nombreux avaient cessé de croire. Certes, plusieurs parmi nous avaient perdu la foi, mais la grande majorité est restée ferme dans sa conviction. Elle avait foi qu'un jour, la vérité allait triompher et que les exilés allaient rentrer au bataillon. Camarade, j'avoue, une petite frange de nos militants, la frange la plus faible et impatiente, a choisi de rejoindre l'arbre en face, un arbre sentit debout où les fruits étaient invisibles, mûrs et portés. À portée de main. Clairement, comme les oiseaux, seulement on va venir là en difficulté. Le nôtre, pensant qu'il allait s'arracher pour aller se percer sur un autre. La différence entre eux et nous autres, c'est au jeu. Eux, ce sont les oiseaux. Et nous, nous sommes les termites. Lorsque l'arbre tombe, les termites, par fidélité, tombent avec nous. Ce qu'ils ignorent est que notre arbre a plié, mais n'a jamais rompu. La grande duresse que lui a fait perdre des fruits. La même délabrée, un temps soit peu, mais jamais il n'a été terrassé. À plus forte raison touché. L'arbre, notre arbre, est toujours là, debout, fier et déterminé. Et ta présence ici ce jour en est la preuve. Nous disons avec fierté que nous avons eu raison de ne pas désespérer. Camarade, tu es chez toi. Reprenons la lutte où elle a été interrompue pour l'avènement d'un État démocratique, un État attaché aux valeurs cardinales d'une République. Vive la Côte d'Ivoire de l'Europe, je vous remercie. Merci. Quand c'est bien dit, un poète, quand c'est précis, c'est on appelle ça un discours concis. C'est un poète. Quand c'est bien dit, c'est clair, je viens d'expliquer. Il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. La personnalité. Non, on est content de Fresco. Ça, c'est le parti de Fresco. On va continuer. Le parti de Babo, il y a des Avant d'appeler le prochain intervenant, je voudrais dire
il y a nos camarades du Nzi et du Moronou qui devaient faire leur don, mais compte tenu du temps, ils sont partis, mais ils ont laissé le don à la fédérale de Yakassé à Tobrou. Voilà, tout à l'heure, elle viendra faire le don au nom de nos camarades. Voilà. Bon, il faut venir. Voilà, la fédérale de Yakassé à Tobrou. C'est la fédérale du parti de Kwapo. La seule femme parmi tous les fédéraux. Il faut la saluer très fort. Il faut la saluer ce soir, le fédéral. Il faut la force. Le parti de Kwapo. Voilà, pas la clameur. Voilà, nos amis du Zi et du Moronou qui devaient faire le don. Voilà, il faut le passionner. Voilà, il faut le passionner. Camarade Adiel, camarade Picasse, je voudrais ce soir, au nom des fédéraux, à la région de Moronou, je voudrais, au nom de la fédération, des fédérations du Moronou et de Nzi Komoé, remettre ce pagne, ce beau pagne, au camarade vice-président. Pour lui dire Yako et bonne arrivée. Camarade, bonne arrivée. Oh, il faut la saluer très fort. Il faut saluer le temps. Voilà, saluer le temps. Voilà, il y a nos amis de la fédération de Marcori. Voilà, qui veulent faire la don, qu'ils viennent rapidement. On va avancer. Voilà, je suis là, qui veut aussi faire un don. Voilà, leur fils. Ils sont là, ils sont venus le soutenir. On va continuer. Voilà, on va aller vite. Oui, ils sont déjà là, ils sont là. On va faire vite. Au nom de la fédération de Marcori, à sa tête le fédéral Eta Alban, nous faisons un don au vice-président Damana Picasse. Je suis la camarade fédérale Ofri de Marcori. Il faut le passer très fort. Ouais, il faut le passer. Voilà, le gamin rapidement, il faut venir. Voilà, tous nos amis qui ont la dent, il faut venir. On va faire ça vite, vite. Et puis on va avancer. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je dis au vice-président de porter son cache-nez pour les dons quand les gens déballent là. Camarade Damas, voici tes parents Guébier avec notre frère Dadi Frem. Sont venus te soutenir, te saluer, partager avec toi cette journée riche. Déjà, le préfet Godier t'a lavé. Donc nous te couvrons avec ce pain, accompagné d'une paire de chaussures. Nous savons que l'exil n'est pas un moment aisé. Nous savons ce qu'il renferme. Voici donc un bélier pour ton repas. Merci.
Damana Picasse. Je vais terminer pour te dire que tes parents guébiens qui n'ont pas eu le temps de venir ici m'ont demandé de te dire d'aller dans le guébien repartager cette chaleur avec toi. Nous souhaiterions que tu refasses ton programme pour nous dire quand tu vas venir dans le guébien avec nous. Vive le président Laurent Gbagbo, pour que vive la nouvelle Côte d'Ivoire de demain. Je vous remercie. Bon. Oui, chers parents, excusez-nous. Voilà, on va vraiment réaménager le programme. Allons, voilà, excusez-nous. Non, par vous, tu avais le temps, il faut attendre. Faites vite. Camarade Picasse, cher ami. Ouais, d'accord. Un panquita au nom de la Fédération des Grands Laou, avec des chaussures et des panneaux. Voilà, il faut saluer ça très fort. Protocole. Voilà. Voilà, tous ceux qui ont le temps, juste le temps de profiter pour la remise. On va aller vite, c'est vrai. Il y a le président de la communauté humaine de Fresco qui a décidé de faire aussi un don au vice-président. Merci. Mon frère Picasse, bonne arrivée. Saint-Nabou, assez. On ne sera pas long parce que le programme aussi est court. Donc, au nom de la communauté ouais, résident dans le département de Fresco, nous avons voulu vous donner un petit temps, puisque on n'est pas averti à temps. Ça a deux jours et on est informé. Donc, faut déballer. Papa, faut te lever un peu. Voilà, il faut l'habiller, il faut habiller le VP. C'est la communauté ouais de Fresco, voilà, qui a décidé d'habiller son fils. Voilà, le VP à Damana Picasse. Voilà, le temps. Voilà, il y a tout à l'heure Maître Diaouri, voilà, qui va faire aussi un temps. Voilà, nous demandons à Maître Diaouri, voilà, de venir. Voilà, il y a un de Fresco. Voilà, il faut immortaliser la fête. Le président de la communauté ouais. Ok, voilà. C'est bon pour la presse, merci. Je crois que. Voilà. Merci. Voilà, il faut libérer. Il y a Maître Zéouri qui doit faire son don. Voilà, Maître Zéouri. Maître Zéouri. Après Maître Zéouri, il y a la fédération de 600 qui s'apprête. Voilà, après, on aura une interruption pour rentrer dans l'étape des interventions. Voilà. C'est vrai, il y a le temps, mais c'est aussi vrai. Voilà, on va aller vite. Monsieur le ministre, président du comité d'organisation. Monsieur le ministre, président, parrain de cette cérémonie, représentant le président Laurent Gbagbo, mesdames, messieurs les élus, chers frères, vice-président Picasse Damana, monsieur le ministre Lida Kouassi Moïse, mon père et mon grand frère, je voudrais, à toi et à madame, au nom du flambeau du Lodjibois,
que j'incarne modestement depuis tout le temps que vous étiez en exil. Tu as eu la gentillesse de me visiter et de me demander de te rendre visite au moment où nos parents s'apprêtent à t'accorder la purification traditionnelle. Je ne pouvais pas me dérober. Le ministre Sama Damana est mon aîné, tu es mon frère, ta maman est ma maman que je salue. Tu as bien vu comment elle et moi, on s'est occupé de toi. Je voudrais à cet instant précis, au nom donc de la région du Lot-d'Ivoire, que j'incarne quelque part en tant que flambeau, au nom de tous mes amis qui m'accompagnent ici, te faire ce petit cadeau qui est le symbole de l'unité des peuples. Mon frère, tu es Gaudier, je suis Dida. Je suis Gaudier, tu es Dida. Nous sommes donc un. Et nous sommes juristes tous les deux. Nous formons la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Je voudrais te laver en te fournissant ce don. Au-delà de cela, chers frères, vice-président, mes camarades, mes amis du Lot-d'Ivoire qui m'accompagnent, les Gaudiers aussi du Lot-d'Ivoire me demandent de te couvrir avec ce pagne afin qu'aucun mal ne t'atteigne au moment même où tu reviens sur ton sol natal. Et que tes ancêtres, avec ce pagne, te couvrent de toute bénédiction et de toute immunité. C'est pas fini. Nous avons également préparé deux bouteilles d'alcool traditionnel, une blanche et une claire. Pour ta famille maternelle et la blanche pour ta famille paternelle, afin que l'unité se fasse autour de toi. Enfin, comme l'exige la tradition, nous avons sélectionné un billet de 10 000 dollars que nous allons ajouter parce que nous sommes des alliés et avant d'être frères, on est des alliés et que ce billet retrouve dans tes comptes, la fluidité dont tu as besoin pour conduire le peuple qui te fait confiance. Amen. Enfin, tu n'ignores pas que maître Zéhouri que je suis, flambeau du Lot-d'Ivoire, je suis surtout le président d'une organisation sociale de développement dans le Lot-d'Ivoire et dans la Côte d'Ivoire. Je vais te laisser donc en souvenir de ce mouvement que tu retrouveras demain à Nekotieba, à Lakota, où nous serons accueillis par tous nos parents Gaudiers de Lot-d'Ivoire demain à 10h. Je te remets donc ce symbole afin que tu te souviennes de nous aujourd'hui et demain. Voilà. Merci, merci monsieur le ministre, merci tout le monde. Oui, merci. Pardon, mais il faut que je vous Merci. Voilà, rapidement, la fédération de Grappin Guiritou. Voilà, la fédération de Grappin Guiritou est là. Les femmes de Grappin Guiritou. Voilà. Camarade Picasso, tes parents gourmets. Les parents de Tapé Pili Bernadette et de Tapé Ira Elisabeth sont venus te saluer. Ce piment là, c'est pas un secret pour toi, mais pas un secret pour le président Bagolora. Nous sommes venus avec un saut de piment.
Il s'agit de Bokere. Bokere Sassandra. Bokere qui comporte également Fresco. Et nous sommes venus pour vous dire que Bokere est là. Ayoka. Ayoya Calme. Ayoya Zoué. Ayoya Vukuroué. Chez nous, quand quelqu'un sort d'une situation pareille, on dit à la mère, à Kouboulouan, à Yia Kamaoukouboulouan, et casse, Damala, à Yia Kamaoukouboulouan, donc la année, à même au Kouboulou. Pour le faire, nous tenons, pour nous immolons, quand cela se doit, nous immolons un cabri. Mais comme nous n'allons pas le faire, on te le donne. Nous sommes au Kouboulou. Sois béni. Voilà, merci. Voilà, je crois qu'on doit suspendre le matériel. On va faire une liste des prochains temps. On va faire une liste des prochains temps. Voilà, merci. On va aller vite. Après les interventions, chaque intervention va faire les dons. Voilà. Voilà. Voilà, il faut regagner la place. Il y a le représentant du président de la République qui va faire, tout à l'heure une intervention. Nous attendons ça aussi. Il faut regagner vos places. Voilà, la fédération de Sassandra vient de finir son temps. Voilà. Il y a encore trop de temps. Il y a quoi ? Il faut tracer une liste de ceux qui vont faire des dons. Tu vas te faire remarquer. Voilà. On va passer au prochain intervenant. Voilà. Je voudrais. Sans citer l'eau, hey, monsieur. Faire appel au insouciant, le camarade Michel Bago. T'es malheureux dans ma vie. Oui, il faut appeler quelque part. Il faut appeler quelque part. Il m'a donné la joie de vivre. Il avait une fois dit que oui, c'est Dieu. Il faut le mentionner jusqu'à ce qu'il se lève. C'est Dieu. Le monde qui est debout va se coucher. Je me rappelle encore. Merci. Il est le. On n'a pas un nignou. Ah oui, d'accord. Ah oui.
Bon, avec ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a un discours à faire encore. Donc, c'est juste pour rapidement soutenir mon frère Picasso. Et puis pour vous dire merci. Merci. Je salue les vieux, tous les vieux qui sont ici. Je salue les jeunes qui sont là. Et puis, je salue les mamans, les femmes qui nous ont donné la vie. Et gloire soit à la femme de Picasso. Parce que ma femme était en exil avec elle. Yako. Gloire soit à cette femme. Merci. Je voudrais vous dire merci parce que vous ici, vous nous avez donné un fils digne que je suis venu accompagner. C'est mon frère, c'est votre fils, c'est le fils du président Laurent Koudou-Gbagbo. Et je suis venu l'accompagner après son retour 10 ans d'exil plus tard. Vraiment, Yako, et merci. Vous nous avez donné un enfant très bien élevé, un enfant digne, un enfant qui marche loyalement, fidèlement, clairement auprès du président Laurent Koudou-Gbagbo. Merci. Nous étions ensemble dans ce que les gens ont frauduleusement appelé un bunker. Nous étions ensemble sous le bombardement. Et lui, pendant que les gens fuyaient, il est venu de lui-même se mettre là-bas. C'est ça, un enfant digne. Je ne veux pas heurter la sensibilité de mon aîné, le ministre Henri Sama César, qui nous reçoit ici. Mais quand ça chauffait dans les années 2000, l'action de Damana Picasso a été déterminante pour que le président Laurent Gbagbo puisse avoir le pouvoir que vous lui avez donné. Merci. En 2010, encore, dans le mouvement de résistance, son action a été forte. Souvenez-vous, il est même passé sur toutes les chaînes internationales. Après son action, et on appelait ça la main de Dieu. La main de Dieu. Parce que quand on parle, il faut citer les faits. C'est ça, Adia Damana Picasso. Quand il était en exil, aucune association d'Ivoiriens n'a fonctionné sans lui, parce qu'il les a toutes dirigées. Aucun camp de réfugiés au Ghana n'a été oublié, parce qu'il les a tous visités. Quand il est revenu, il s'est encore mis au travail. Et avec la vice-présidente Odette Le Rougnon, il a organisé le retour du président Koudou Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est pour ça que je suis là. Votre présence ici, c'est déjà un succès. C'est extraordinaire. En fait, il n'y a plus rien à dire. Mais il faut quand même insister sur certains points. Pour que les langues de vipère se taisent à jamais. Et pour que ce qui est à nous et qui doit nous revenir, nous revienne. Tout ce qui se lève, se couche, eh bien, ceux qui étaient debout vont se coucher et ceux qui étaient couchés vont se lever. Frère, fils de Koudou Laurent Gbagbo, camarade Damana Picasso, tu es la fierté
de ta génération. Et je suis fier de marcher à tes côtés. La Gotamino, je vous remercie. Merci. Il faut appeler l'intervention de Michel Babo. Voilà. On va aller rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, la Gotamino, ça veut dire que Dieu te bénisse. Voilà, on va aller vite. Le temps que Michel Babo ne finit de saluer. Oui. Je vais demander à son excellence, monsieur le ministre. Le ministre, le porte-parole du président Laurent Gbagbo, qui a vécu l'exil avec le vice-président de Madame Picasse. Je voudrais inviter le ministre Koné Katina à venir au pupitre. Il faut le ministre. Mesdames et Messieurs les vice-présidents, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, les élus, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers, population de Monsieur le ministre, mes chers frères, comme vous avez ces ans, chers amis, Mesdames et Messieurs des partis alliés, je suis heureux d'être là et on va aller vite. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des Robins ici. Et je ne veux pas que la nuit nous trouve s'il y avait des Robins. Donc, on va s'en vite, on va s'en vite, on va s'en vite. Voilà. Bien. Je suis ici parce que j'ai été partager l'exil avec Picasso. Et c'est pour rendre témoignage de cette vie d'exilé. Très souvent, les gens ont l'impression qu'on était en pique-nique ou alors en tourisme. Mais ils sont assis tous là. Le secrétaire général, la vice-présidente Odette Soyer, le vice-président Picasse, moi-même, nous sommes faire l'expérience de l'exil. Et chers frères, je suis vraiment heureux d'accompagner Picasse ici parce que il vient de loin, il vient de très difficile, d'un lieu très, très difficile. Lorsque nous sommes arrivés en exil, que nous avons, sommes regroupés autour de nos aînés, le secrétaire général adjoint, nous avons décidé de nous organiser pour continuer le combat politique. Et pour apporter notre soutien aux partis et aux camarades qui étaient restés sur place. Pour être ce que les informaticiens appellent un backup, c'est-à-dire une sorte de repli au moment où s'il y avait des problèmes au niveau de l'intérieur pour la direction du parti, que nous puissions assurer, pallier ces faiblesses du moment. Et c'est ce que nous avons fait. Autour du SG, c'est une coordination du FBI en exil. Le SG l'a dirigé quand il est parti. Il est venu, quand le président Babo lui a demandé de venir pour faire sa campagne pour le congrès de Mama, pour le congrès qu'on lui a d'ailleurs annulé. Voilà. Et il a laissé la mission à Émile Guimilou. Et quand Émile est venu, j'ai assuré l'intérim. Et à tous ces bureaux, Picasse a joué un rôle déterminant. Et il était jeune, parfois il me faisait pitié. Le jeune homme là, il fait quoi dans cette galère? Nous-mêmes, peut-être, on a travaillé un peu. Mais toi, tu viens à peine de sortir et tu vas là en exil. Avec sa femme, une petite fille de 2 mois. Je crois que c'est sa dernière fille de 2 mois. Et sa maman, ses soeurs, pour quelqu'un qui n'a pas de revenus. Je peux vous assurer que ce n'est pas une vie. Il faut avoir de la dignité, il faut avoir de l'honneur, et il faut croire, surtout avoir de la foi. Et faire foi à un homme, à Laurent Gbagbo, pour espérer
garder cette ligne et cette unité. Peut-être, développer ce témoignage devant tes parents. C'est important. C'est très important qu'on sache d'où tu viens. Et là-bas, le FCLA peut témoigner, nous avons pris un engagement. Nous nous battrons pour que le président Laurent Gbagbo non seulement revienne de là où on avait envoyé, mais qu'on se batte pour lui donner ce qu'on lui a arraché frauduleusement. C'est cet engagement-là que nous avons pris en exil et c'est notre ligne de conduite. C'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi certains, une fois rentrés, changent de ligne. Alors que notre ligne, qui sont fixées en exil et pour lesquelles Picasso en a payé les frais, on m'a arrêté plusieurs fois, mais on dirait que c'était Covid catinant. Parce que c'est un Covid qui a attrapé beaucoup de personnes là-bas. Et Picasso a eu ce virus, le virus catinant, lui aussi, il a été arrêté. Oui, Picasso a été arrêté, Picasso a dormi une nuit en prison. Parce que tout simplement, il s'appelle Picasso et parce qu'il est resté attaché à Laurent Gbagbo. Pour ça, on ne l'oublie pas, il a dormi avec les prisonniers. Je voudrais vraiment, devant tes parents Picasso, te saluer. Saluer ton engagement. Ton engagement autour du président Laurent Gbagbo. On n'a qu'un seul chef. Et c'est l'engagement que nous avons pris. Et nous devons tout faire. Surtout, nous, notre génération. Surtout, nous, notre génération, pour ramener notre patron là où on l'a enlevé. C'est ça, nous avons pris cet engagement. Et je veux cet engagement devant tes parents. C'est toi, nous en parlons souvent, chez moi, à la maison ou chez toi. C'est notre engagement. Et on ne peut pas trahir. On n'a pas le droit de trahir. Je voudrais finir par ce petit conseil. Tu vois ce monde. Ce monde, ils sont venus t'accompagner. Ils sont venus t'acclamer. Ils sont venus te célébrer. Mais Picasso, n'oublie pas, ce n'est pas toi qui célèbres, c'est Laurent Gbagbo qui chante les célébrés. Et à chaque fois, parfois on se laisse crier, quand on voit le public, on dit « Ah, on est devenu quelqu'un ». Frère, on n'est pas encore devenu quelqu'un, hein. Celui qui est quelqu'un là, c'est le président Laurent Gbagbo et nous devons tout faire. J'ai entendu, j'ai la surprise, j'ai le courage et en tant que ton aîné, je serai toujours ton soutien et partout où tu voudras. Ce sera nécessaire pour le président Laurent Gbagbo, tu auras mon soutien. Population de Fresco, voilà votre fils qui est venu d'exil avec nous. Il vient de très loin. J'ai apprécié les cadeaux que vous lui avez donnés. Il le mérite. Bravo Picasso. Bravo, bravo et bravo. Merci beaucoup. Pardon. Vraiment, je rends hommage à cette dame. Cette dame Claire, la maman de Picasso. Moi, je ne la connais pas, mais je l'ai vue en exil. Et je la voyais, elle nous vendait de Yamakoudi. Et parfois, les exilés, quand on n'a pas l'argent, on boit et puis on s'en va. Et puis bon, ça reste comme ça. Maman, on te doit une fière chandelle. Merci beaucoup. Madame Picasso, c'est notre présidente. C'est notre présidente. Une autre, les exilés, la communauté francophone. Et ce qui est intéressant, la maison de Picasso n'a jamais désempli. Et cette dame, elle est brave, elle a le cœur, elle a le support. Bravo. Merci, Fabio Mérite, le ministre du Gatineau. Il faut le saluer. Merci, monsieur le ministre. Merci. Le ministre a particulièrement tout dit sur le vice-président Picasso. Ce poste est à son honneur. Comme je l'ai dit souvent, l'exil prendra sur le sac à ton pays ennemi. Prendra sur le ministre à ton pays ennemi. Parce que c'est difficile. Mais, malgré l'exil, le respect constant. La modestie, le courage, la loyauté, l'engagement dans le choix et l'implication, la discipline, la rigueur. Je voudrais inviter ici même, sous vos ovations, le vice-président d'Amélie Picasso.
Merci. Si mon téléphone sort, c'est mort. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, en des circonstances pareilles, l'émotion fait que on perd son latin. Et j'avoue que je ne sais même pas ce que je vais dire. Je suis tellement ému d'être là parmi vous. Merci beaucoup. Merci à mes parents. Merci vous tous qui êtes là ce soir autour de moi. Merci à Fresco. Merci à ce peuple digne, à ce peuple loyal, à ce peuple fidèle. Je vous remercie. Camarade secrétaire général, camarade Assouadou, merci. Tu n'es plus un simple camarade, mais tu es un père. Tu es un père. Parce qu'on a été avec toi en exil. Tu as dirigé la coordination du FPI en exil. On a vu avec quelle valeur tu as dirigé cette organisation. On a vu avec quelle dignité tu as passé tout ce temps avec nous. Moi, j'étais beaucoup observé en exil. Tu es vraiment une source d'enseignement pour nous, une source de valeur pour nous, une référence pour nous. Parce que quand on te voit marcher clairement, pas après pas, tout cela traduit des valeurs. Quand tu parles, tu ne parles jamais au hasard. Ce que tu dis a toujours un relent d'enseignement. Et tu nous as formés par ce que tu es, par la façon dont tu t'es comporté avec nous dans cet exil. C'est pourquoi on ne pouvait pas faiblir, faillir, tromper, mentir, parce que tu es un homme d'intégrité. Et je veux te dire merci. Merci pour ce que tu as été auprès du président Laurent Gbagbo. Si l'édifice a tenu, si les fondations ont résisté, pendant que le président était dans les faits, c'est parce qu'il y a eu Assouadou. On l'a traîné partout. On l'a méprisé, calomnié, diffamé, insulté. Mais il est resté le même. Parce qu'il ne devait pas changer. Car il était dans la vérité. Et quand il est dans la vérité,
malgré les injures et les calomnies, tu ne changes pas. Parce que ce n'est pas à toi de changer, c'est aux autres de changer. Merci. Et je suis content que tu sois ici avec moi. Oui, et tu as raison d'être content. À travers Assouadou, c'est toute la haute direction du parti que je voudrais aussi saluer. Je vois mes mamans, Odette Sowé Likoué, la dame de tous les combats. Quand on a pris le pouvoir en 2000, elle était présidente des femmes du Front populaire ivoirien et j'étais président des jeunes du Front populaire ivoirien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais j'aime tellement cette maman que je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé très loin dans sa famille pour lui exprimer tout mon amour. Je suis donc allé chercher sa fille pour mettre à côté de moi. Applaudissez! Mon épouse qui est là, c'est la fille de la vice-présidente Odette Sowé. Voilà. C'est moi sa fille. Merci beaucoup la vieille. Je vois Marie-Odette Lourignon, celle que on appelle modèle. Le modèle de résistance, le modèle de mobilisation, le modèle de témérité. La brave et remuante Marie-Odette Lourignon, présidente des femmes du Front populaire ivoirien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle aussi, elle a aidé pour quelque chose dans la résistance de la Fondation. Oui. Elle est restée droite. Elle n'a pas tergiversé. Parce que nous, on n'est pas connu rien. On n'est pas connu rien. Ça, c'est nous. Et puis, ça va pas quelque part. Merci beaucoup. Merci. À la très discrète, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Masséni. Les personnes efficaces sont généralement les personnes discrètes. Parce que l'efficacité ne s'accommode pas trop avec certaines choses. Et elle est là, qu'elle est là, tu ne sais pas qu'elle est là. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'elle est là qu'elle n'est pas là. Elle est là et elle est bien là. Et elle est présente. Je la salue. Merci beaucoup à tous. Mon frère Michel Babou, le secrétaire national Taï Nestor, Taï Touré Nestor, le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Je voudrais le saluer. Il s'est levé, il a eu un petit malaise, il s'est levé, mais ce n'est pas bien grave. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer l'honorable Seyi Gaspard. Il est doublement mon patron. Parce que j'ai travaillé sous son autorité dans l'administration. Il a été le directeur général de l'administration du territoire. Et nous avons commencé nos jeunes carrières sous leur responsabilité, sous leur autorité. Ce sont de grands commis de l'État. Ils ont servi dignement
ce pays-là. Aujourd'hui, je suis content de le retrouver à cette responsabilité au niveau du Front populaire ivoirien. Et c'est un atout pour notre parti à l'Ouest, à Fakobi, chez lui. Merci, honorable, d'être là. Merci beaucoup. Je ne devais pas oublier le ministre Kone Katina-Justin. Je ne parle pas de lui aujourd'hui parce que ça risque de vous lasser. Mais ce qu'il a dit là, ça dénote ce qu'il est. Et comment on a été. Et si on est là aujourd'hui, mes parents, vous devez lui dire merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous mes amis, les membres du comité central qui sont sous la bâche, le G9 plus 1, le G9 plus 1, je les salue. Je salue les fédéraux, les commandants de nos casernes, ceux qui commandent nos soldats, qui les organisent, qui les encadrent et qui les envoient au combat. Je les vois. Ils sont assis, sereinement, sans bruit, toujours à la place qu'il faut, derrière le président Laurent Gbagbo. Ils sont nombreux, donc je ne vais pas les citer, mais je voudrais les saluer. Merci pour la résistance. Depuis 2011, vous n'avez pas baissé les bras. Merci à vous d'être ce que vous êtes. Je voudrais saluer nos amis des partis alliés. Je voudrais les saluer, les membres de l'EDS, tout le monde, tous ceux qui sont venus à cette cérémonie, je voudrais les saluer. Je voudrais saluer les chefs du village. Merci de leur présence. Ils nous ont bien reçus et nous sommes heureux du traitement, de l'accueil qu'ils nous ont réservé. Merci beaucoup. Je voudrais saluer mon ami. Il s'est levé. Mais c'est le maître. Il est parti parce qu'il a une cérémonie demain. Mais je voudrais le saluer. Merci. Le grand frère Niapa Godé, merci pour ta présence. Je sais que depuis tout ce temps, dans ta retraite de Benoît, j'entendais parler de toi. Je voudrais te saluer. Je salue un peu plus particulièrement le ministre Sama Henri César. Oui. Sama, quand on était à l'exil, au début, je n'étais pas à Accra. Parce que je ne voulais pas me faire voir. Puisqu'on était traqué. Et l'atmosphère faisait peur. Donc j'étais réfugié dans un petit village. Un petit village. Un très petit village. Et j'ai fait quelques mois là-bas. Et puis, ça m'a dit non, je ne pouvais pas continuer à rester là-bas. Mais on n'avait pas les moyens. La vie était très dure. Et Sama, il avait une maison. Et il m'a offert gracieusement cette maison. Il a payé le loyer pendant un an. Et puis, il m'a demandé de rester dans cette maison. J'ai dû donc me résoudre à regagner Accra avec mon épouse, les enfants et tout le monde. Mais Sama là, même quand il est rentré, il a continué d'être un soutien fort pour moi. Abba Sama. Sama Yoga.
Abassia, Abassia, Abassama. Parce que Boutou Tepe, Samala, Yuetaya, Samala, Yueta Sukumu, Samala, Abadakoy. Merci beaucoup. Je voulais que tout le monde le sache. Que les parents le sachent. Je salue aussi Benoît Lodognon, mon petit frère Benoît. Il a été aussi quelqu'un de bien, un vrai frère. Je voulais le saluer. J'étais en exil. Un jour, il m'a appelé. Il dit, mais comment tu te déplaces dans la vie? J'ai dit, je me déplace comme un exilé. Il dit, non, même si tu es un exilé, tu étais quand même quelqu'un dans ce pays. On n'a rien, mais on va faire quelque chose. Et puis, j'étais là, il m'a appelé. Il m'a envoyé une voiture. Ça m'a beaucoup marqué. Et je voulais saluer Benoît. Je voulais vraiment le saluer. Mais à travers lui, je salue tous les frères. Tous les frères. Laissez Benoît. Laissez-le comme ça. Je ne cherche pas à savoir où il est. C'est qui est-ce qu'il est là? Je les salue. Je vois Rochereau, je vois Soukou, je salue tout le monde. Merci. Aujourd'hui n'est pas un jour de politique politicienne. Aujourd'hui, je ne fais pas politique. Mais je voulais dire, pour terminer, un grand merci au président Laurent Gbagbo. Merci au président Laurent Gbagbo pour ce qu'il est. Je le disais la dernière fois quand des jeunes m'avaient invité à Yopougon. J'ai dit, nous, on n'est pas venu derrière Laurent Gbagbo parce que Gbagbo est devenu président. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que Gbagbo est devenu président qu'on s'est mis derrière lui. Mais c'est parce que Gbagbo est un homme bon. C'est parce que Gbagbo est pur qu'on s'est mis derrière lui. Et je demande à tous mes parents, à tout fresco au-delà, le président est revenu. Il est revenu. J'ai dit, Gbagbo est revenu. Et Gbagbo qui est revenu là. Gbagbo qui est revenu là. C'est pour que les choses soient désormais claires dans ce pays. Et c'est pourquoi tout ce qui était obscur, tout ce qui était impur, était souillé, il s'est séparé de ça. Il s'est débarrassé de ça. Parce que il est venu pour laver. Il est revenu pour rendre propre. Il est revenu pour restaurer sa dignité. Il est venu pour faire en sorte que le soleil brille. Il est venu,
Il est venu pour que nous tous ici, nous n'ayons plus la tête baissée. Pour que nous puissions désormais regarder n'importe quel interlocuteur droit dans les yeux, parce que nous sommes des hommes. C'est pourquoi il est venu. Il a donc décidé de laisser ça là. Et puis, comme il ne fait pas ces choses au hasard, la dernière fois à Baba, il nous a salués comme ça. J'ai envie de vous saluer comme ça. Merci. On va créer un nouveau parti. C'est notre parti. C'est le parti de la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est le parti de tous les Ivoiriens, esprit de paix, de réconciliation, de dignité. C'est leur parti. Et je vous invite, au fait que vous êtes ici, à prendre votre place dans l'avènement de ce nouveau parti. Il faut que vous soyez tous des membres fondateurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour ne pas faire trop de politique. Je vais terminer. Je voulais saluer, et c'est sur ça que je vais terminer, deux salutations. Saluer ma maman, ma mère, la bonne, je vais la saluer et lui dire merci. Pour tout le soutien qu'elle m'a apporté. On a fait l'exil ensemble. Elle est restée des années avec moi. Parce qu'en 2011, on l'a poussée aussi haut la pauvre. Elle n'était pas en bonne santé. Et certaines fois, son cœur a failli la perdre. C'est pourquoi je voulais la saluer. Et puis lui dire merci pour la femme d'honneur et de dignité qu'elle. Mamie, Ayoka. Merci beaucoup. Je voulais aussi saluer mon épouse. Ina Rosine. Bagouri, épouse d'Amana. C'est ma femme. Je l'ai épousée pour la rendre heureuse. Je l'ai épousée pour lui donner une bonne vie. Et puis l'exil est arrivé. Elle a été renvoyée de son travail. Tous mes frères et sœurs qui travaillaient ont été renvoyés de leur travail. En 2011. Mon aîné, mon grand frère, André, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison à Noé. Il a fait 18 mois de prison. Dont plusieurs mois à la DST. Et puis après à la MACA. Mon petit frère, Franck, qui était policier, on l'a arrêté aussi. On l'a mis à la DST. On l'a torturé.
tout cela, je voulais les saluer. Ma femme, pour revenir à elle, nous étions en exil. Mais vous savez, dans la vie, c'est quand il y a des épreuves. Quand tu es dans les épreuves, c'est là que tes yeux sont clairs. Et puis, tu découvres aussi la personnalité des gens avec qui tu vis. Et c'est dans l'exil que j'ai découvert une autre épouse. Mais celle que je voulais épouser en fait. Elle a tout fait pour qu'on tienne. Elle a vendu un ticket. Elle a marché pour vendre un ticket. Elle était devenue noire comme ça. Oui. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de jus. Elle a vendu maman pour qu'on soit digne et qu'on ne fait vice pas. Elle a tout fait. Mais ce qui m'a le plus séduit, c'est son militantisme aussi. Elle n'était pas que la femme de Tamana Pikas. Elle a aussi des convictions. Je rappelle que on s'est rencontrés un jour à l'université, dans le militantisme. J'étais responsable de la FESI. Elle était militante de la FESI. Et puis, voilà. Vous voyez, elle avait ses convictions. Et puis, on s'est retrouvé ensuite au FPI. On s'est retrouvé au FPI. Mais l'exil était devenu tellement dur. Et puis, vous voyez, souvent, quand elle ne parle pas, souvent, je ne sais pas à quoi elle pense. Est-ce que elle est fière de toi, tu sais pas? Est-ce que le combat dans lequel vous êtes là, est-ce qu'elle est toujours dedans? Tu sais pas. Donc, j'ai dit, je vais l'éprouver. Je vais savoir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Donc, une nuit, à 3h du matin, je l'ai réveillé. Et puis, je lui ai dit, on va rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, je suis fatigué. Je ne tiens plus. Et puis, la vie est devenue difficile. Regarde, les enfants grandissent. Les besoins se multiplient. C'est tiré par les cheveux. Donc, j'ai appelé les autorités à Abidjan. Et puis, j'ai négocié, on va retourner. Et ils sont d'accord pour qu'on retourne. Et je pense que si on va, ça sera une bonne chose, surtout pour les enfants, tout ça. Et puis pour toi-même, tu vas reprendre ton travail, tout ça. Non? Elle était un peu endormie. Quand j'ai fini de dire ça, elle s'est redressée. Et puis elle s'est bien assise sur le lit. Et voilà ce qu'elle a dit exactement. Mais dans tout ce que tu as dit, tu n'as pas parlé de Babolo. Tu as parlé de nous son nom. Tu n'as pas parlé de la Côte d'Ivoire. Tu as parlé de nous son nom. En tout cas, si tu veux partir, tu iras seul. Tu iras seul. Mais mieux, l'alliance que tu as au doigt là, tu enlèves et puis tu laisses ça ici, et puis tu t'en vas. Donc, je me suis dit entièrement, ouais, elle est prête. Oui, elle est prête. Et ça m'a rassuré. Ça m'a requinqué. Et ça m'a permis de ne pas me méprendre sur son silence, sur son calme. C'est une femme de conviction.
C'est une femme que tout combattant peut avoir derrière lui. Et je voudrais devant mes parents lui rendre un hommage. Elle a perdu sa mère en exil. J'étais très embarrassé. Parce que je me suis dit, en 2014, mais si il ne peut pas m'avoir, que ma femme rentre pour enterrer sa mère, et puis on la prend, c'est comme si on a eu. Et elle m'a rassuré. Elle dit, rassure-toi, je n'irai pas enterrer ma mère. Je n'irai pas. Parce que je sais que ce régime-là n'est pas bien. Ce qui est sûr, tôt ou tard, on va aller faire le deuil de la vieille. Et il y a à peine un mois, quand on est rentré, je suis allé l'accompagner sur la tombe de sa mère. Et elle a fait le deuil de sa mère. 7 ans après, elle a fait le deuil de sa mère. Je voudrais que vous la saluiez. Et je dis merci à mon épouse. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, Nicolas, et la forte délégation des Roumaines. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Thank you.
Monsieur. Merci.
Je demande cela parce que Picasso est un modèle. Un modèle pour la jeunesse. Et je voudrais vous dire pourquoi. Que il a pris. Pendant les élections de 2010, au moment de la proclamation des résultats, la nation il a arraché les feuilles. Il a arraché les feuilles. Certains n'ont vu que seulement ces gestes. Mais c'est une leçon, une grande leçon. Il y a un philosophe chinois qui dit que il y a des moments où il faut agir. Le temps où il faut agir, il faut agir. Le lieu où il faut agir, quand tu l'as, il faut agir. Si tu n'agis pas, ça se trop tard. Et il dit tu vas changer. C'est ce moment-là que tu as agi. Alors que d'autres étaient déjà partis. Vaguer à d'autres activités, lui qui nous représentait, qui représentait le président Laurent Gbagbo, il est resté seul face aux autres et il a pris la feuille. C'est grâce à lui que le monde entier a vu que, ah oui, en Côte d'Ivoire, il y a eu une tricherie. Parce qu'ils n'ont pas suivi le processus, c'est-à-dire valider les résultats avant de venir lire. Valider les résultats avant de venir lire. C'est ce geste qui a fait que le monde entier a vu qu'il y a tricherie en Côte d'Ivoire. Picasso, merci. Pour ce point, je vous ai demandé de l'ovationner. Mais tout à l'heure, il a dit aussi autre chose. Nous étions en exil au Ghana. Ce matin, j'ai été heureux de trouver sa maman. Parce que quand je partais le voir, sa mère était là. Picasso et son ami Kwame Kwaku disent « Ok ». Les deux qui formaient un binôme venaient me voir souvent et moi j'étais avec mon binôme Feu Désiré Porto. Mais les jeunes vivaient difficilement. Difficilement. Dans ce contexte, résister, être fidèle à sa foi, être fidèle à un homme politique, c'est difficile. Et c'est pourquoi beaucoup ont retourné la veste. Mais eux, ils sont restés constants. Picasso est resté content. Il a continué à mener le combat. C'est ce que nous souhaitons pour la jeunesse ivoirienne. Parce que quand vous menez un combat politique, vous ne vous dites pas d'abord quelle est ma place. Quelle sera ma place? Si on va demain, si on gagne, quelle est ma place? Picasso n'a jamais posé cette question. Il s'est engagé, il a couru à notre victoire et aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Picasso, merci. Oui, ce combat que Picasso a embrassé. Et qui fait que beaucoup d'autres jeunes le suivent, pour moi, c'est le bon combat. C'est le bon combat parce que en 2008, 2009, 2010, quand nous disions que demain, si le RDR prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire va chuter, beaucoup ne croyaient pas. Parce que le grand financier était là et la Côte d'Ivoire va progresser. Mais je vous donne deux exemples. Je vais parler de l'éducation nationale. Je vais parler de la santé. Le président Gbagbo avait dit « Je vais faire l'AMU, l'assurance maladie universelle. Je ferai l'école gratuite. » Quand le RDA a appris cela, eux se sont mis dans leur programme. Nous allons faire l'assurance maladie, nous allons faire l'école gratuite.
J'ai vu tout à l'heure la camarade fédérale Yakassi Atourou. Monet est déjà parti, mais je vais raconter un compte à qui pour vous dire pourquoi Ouattara ne pourra jamais faire ce que Babo veut faire. On dit que Kwaku Anazé, pour ceux qui ne savent pas, nous les amis, on appelle l'araignée Kwaku Anazé. Kwaku Anazé va dans la forêt et il voit un génie. Le génie prend les feuilles de palmamier, il fait une natte, il se met dessus, il chante et la natte s'envole, la même loin. Après, il revient. Donc, Anazé a entendu la chanson. Mais malheur pour lui, il n'a pas entendu une deuxième chanson qui fait que le génie revient. Donc, il monte sur la natte. Il fait une autre natte, il monte dessus, il chante et il s'envole. Il veut revenir, impossible. Il tourne. La natte l'amène très loin de chez lui. C'est le cas du gouvernement RDR. Il ne sait pas pourquoi Baba a dit « Je vais faire l'assurance maladie, pourquoi je vais faire l'école gratuite ?» Et vous voyez aujourd'hui, l'école ivoirienne sera gratuite. L'hôpital, il n'y a plus rien. Donc, chers parents, Picasso l'a dit tout à l'heure, le président Babo est revenu, il a laissé l'enveloppe à Afingesa. Il a laissé l'enveloppe. Parce que nous avons lutté, vous avez lutté pour que la Côte d'Ivoire ait le multiparti en 1990. Bien que c'était inscrit dans la Constitution, Félix Houphouët-Boigny ne voulait pas le multiparti. Le Front populaire ivoirien et les forces sociales ont lutté pour que cela soit proclamé en avril 1990. Mais nous n'avons pas eu la démocratie. Aller voter, ce n'est pas la démocratie. C'est un élément, mais ce n'est pas la démocratie. C'est pour ça que nous avons engagé une seconde lutte. Et c'est cette seconde lutte qui allait entraîner la Côte d'Ivoire vers le progrès que nos ennemis ont refusé et ont fait tomber Babo Lora. Aujourd'hui, il faut reprendre le combat. Il faut reprendre le combat pour la démocratie. Donc, refaire un nouveau parti qui va nous permettre de mener ce combat. Moi aussi, à mon tour, après Picasso, après Katina, je vous demande de vous engager dès maintenant, de vous inscrire tous et toutes dans le nouveau parti de Laurent Babo. Oui, notre pays doit aller vers le progrès. Notre pays doit mettre en place un système politique qui permet aux citoyens et aux citoyennes d'être heureux. Nous devrons mettre en place un système politique qui permet aux travailleurs d'être heureux. Le président Babo avait dit « Donnez-moi le pouvoir et je vous rendrai le pouvoir ». Mais vous rendre le pouvoir, c'est quoi? C'est mieux payer la production des paysans, c'est mieux payer la production des cultivateurs. Quand il est là, nous connaissons le prix du café, le prix du cacao, le prix des levats, le prix de l'anacarde. Aujourd'hui, c'est la misère totale. Au nord, l'anacarde est stockée dans les chambres de nos pauvres. Alors, population de Fresco, nous sommes venus accompagner votre fils.
mais nous sommes venus aussi vous parler de ce parti que le président Babo va créer bientôt. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer à travailler sur les tests pour que le parti prenne naissance dès le mois d'octobre. Alors, Picasso, merci pour tout le combat que tu as mené. Merci pour le combat que tu continues à mener. Je remercie aussi ton épouse, le président Laurent Barreau, vous félicite, vous remercie et vous dit que vous trouverez auprès de lui toujours le soutien nécessaire. Merci. Voilà. Merci. Merci. Accompagné. Monsieur le ministre. Enfin, les élus de fort. Je rappelle pour les uns et les autres que. Mais très rapidement, oui, il y a le village de Serba qui doit faire un don. Très rapidement, il faut venir. Voilà. Serba, si tu m'entends, viens avec ton